Upon the stairs, spoken wasn't well. Although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de débrief de stage de printemps. Voilà, Jérôme de Fuji Prod. On va parler donc des trois stages qui viennent d'avoir lieu à Paris, donc stage de printemps. Oui, alors les lunettes America, c'est un cadeau de la part de Anne-Christine. Voilà, donc il y en a qui ont bien vu la vidéo avec la visite du stud et la collection de lunettes de C. D'ailleurs, Christian aussi m'a offert des belles lunettes bleues. Voilà, donc là, obligé de rendre hommage à Anne-Christine, dont je vais vous parler tout à l'heure, dans deux minutes. Voilà, alors là, j'ai voulu faire cette vidéo un petit peu dans la garrigue. Vous avez vu, voilà, vraiment, Port-Vendre, Collioure, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, quoi. Voilà, au mois de mai, on a déjà ces panoramas. Voilà, alors, on va débriefer un petit peu donc, sur les trois stages qui viennent d'avoir lieu à Paris, donc toujours dans le 13e studio Luna Rossa. Donc on a commencé par un stage acoustique de 3 jours, okay, un mini stage guitare acoustique pour lequel les élèves avaient choisi donc un titre de Nirvana, en fait un titre de David Bowie, donc version Nirvana Unplugged pour ceux qui connaissent l'album Live in New York, vous savez le The Man Who Sold the World. Voilà, donc version Nirvana, super morceau, on l'a fait en la standard alors que normalement c'est un morceau qui se joue à mi-temps en tout, bref, on s'en fout. Je vais surtout vous parler de mes stagiaires, quoi, de mes chéris. Donc là, bah écoutez, j'avais donc ce premier stage de 3 jours acoustique donc complet, hein, quand j'affiche complet, c'est qu'il y a 6 personnes sur un maximum de 6. J'ai retrouvé 3 personnes que je connaissais déjà et c'était un grand bonheur de les revoir. Il y a eu Evelyne que je connaissais, il y a eu Ange qui est revenu aussi, et Christophe Lefebvre aussi qui vient souvent, hein, je crois qu'il en est à son 3e ou peut-être même 4e stage. Voilà, donc, vraiment les personnes avec lesquelles on s'attache, vraiment il y a une entente et voire même une vraie amitié naissante, quoi, vraiment. Et j'ai aussi eu le bonheur de rencontrer donc 3 nouvelles personnes. Voilà, donc parmi ces 3 personnes, il y avait Serge, un mec super, quoi, vraiment un mec qui a une grande force mentale, qui a complètement assuré et en plus qui s'est déplacé de loin. Serge venait du 38 pour faire donc ce stage acoustique de 3 jours, vraiment total respect. Il a fait des très bonnes prises, il s'est même initié un petit peu en solo alors que ce n'était pas son premier truc. Donc vraiment respect Serge, bravo. Parmi les nouveaux, j'avais Philippe, attention Philippe, super mec aussi, donc voilà, qui a failli être pompier. Mais voilà, enfin, je dis ça juste pour témoigner de son côté altruiste, comme ça on voit que c'est un super gars. D'ailleurs, tiens, son fils est pompier volontaire, il est en train de gravir les échelons. Voilà. Donc Philippe, super stagiaire aussi, tu m'as fait des super prises aussi. J'ai l'impression que tu as apprécié le stage, enfin, c'est sûr même, tu me l'as dit. De toute façon, d'ailleurs, je vais vous donner la parole après. Vous allez voir que voilà, je vous ai tous interviewé et donc ça va être un plaisir pour une fois de vous faire parler du stage. Voilà, donc vraiment pour ceux qui connaissent pas encore mes formules de stage, attendez encore un petit peu, vous allez voir, bon, il y a un chapitrage de toute façon sous la vidéo, mais ce sera plus intéressant d'entendre les témoignages des stagiaires eux-mêmes que mon retour à moi. Même si de ma part c'est pareil, hein, moi je reviens tout le temps enchanté, enfin vous savez, ça vous fait presque l'effet de retour de colo de vacances quand on est gamin. C'est vraiment génial. Et la 3e personne donc, que je ne connaissais pas et que j'ai découverte, c'était Pierrick. Voilà. Alors Pierrick, je le connaissais un tout petit peu de ma guitare depuis l'époque des feedbacks, hein, quand je faisais des retours sur les vidéos du travail des élèves. Donc je connaissais un petit peu les qualités de Pierrick. Voilà, je savais que c'était un mec
déjà plutôt avec des bonnes aptitudes, plutôt bon en acoustique, pas que d'ailleurs, pas qu'en acoustique. Et donc là voilà, j'ai vu Pierrick en chair et en os. Pierrick aussi se déplaçait de Bretagne, hein, donc lui il vient du 56. Et voilà, donc moi je suis très touché quand des personnes vraiment vont jusqu'au bout de leur démarche et viennent absolument faire un stage de 3 jours avec moi, ou de 5 jours d'ailleurs. Voilà, donc vraiment quand il y a du déplacement, de l'hébergement à Paris et tout, c'est que vraiment il y a beaucoup de motivation. Donc voilà, vraiment, alors merci à tous les 6. Hein, bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. J'essaierai de mettre quelques extraits audio du morceau que vous avez enregistré pour qu'on soit bien tous dans l'ambiance. Et surtout, donc, je vous donnerai la parole avec vos interviews. Spéciale pensée aussi, et vraiment, je dis bonjour à Freddy qui devait faire partie de ce stage et qui, malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu en être. Freddy, bon courage Freddy, et reviens-nous vite, on fera ce stage acoustique avec toi, voilà, et on chantera ensemble, je sais que toi t'as envie de chanter en guitare-voix, vraiment, dès que tu pourras, tu viens, et voilà, Freddy, respect, à bientôt, et vraiment encore merci à tous mes stagiaires acoustiques. Je vais enlever ces lunettes quand même, qu'on puisse se voir de visu, voilà, merci à mes stagiaires acoustiques, et je vais parler maintenant du stage blues rock. Continuer avec un stage blues rock de 5 jours du 3 au 7 mai. Donc là aussi c'est une réussite. Bon, pas trop à moi de le dire, mais je vous assure que c'est vraiment une réussite. À ce stage, j'avais alors déjà deux gars que je connais maintenant, que je connais bien. Christian, okay, Christian Hulin qui vient du 62 et qui est un super mec qui joue déjà en groupe. Et Eric, voilà, Eric avec qui on a rigolé tant et plus. Eric qui devient aussi pote quoi. Donc Eric, grand passionné de rock, de hard rock, un peu 70s comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas commencer à énumérer tout ce dont il est fan. Mais donc génial déjà avec ces individus. Plus une nouvelle personne que je ne connaissais pas. Alors, enfin, y a deux nouvelles personnes, mais déjà une première que je n'avais pas vraiment totalement bien cernée en fait avant le stage. Anne-Christine. Alors, je vous parle d'Anne-Christine, mais maintenant elle est devenue célèbre en 24 heures sur Facebook. Non, j'exagère un peu, mais en effet, Anne-Christine, tu as vraiment parlé à beaucoup de monde avec ton témoignage. Déjà, moi, je suis rentré chez moi, j'ai reçu un témoignage hyper touchant, vraiment. Voilà, alors ça arrive de temps en temps que des personnes se disent « Purée, je vais raconter en détail mon expérience de stage. » Voilà, alors ça, vraiment, quand c'est ça, moi, c'est un cadeau, je veux dire, inestimable. Et donc, moi, j'étais couvert d'éloges. Vraiment, Anne-Christine a bien aimé ma pédagogie, ma façon de la prendre en main et de lui dire « Si, si, tu vas voir, c'est possible, tu vas y arriver. » Alors qu'elle venait effectivement d'autres horizons, si on peut dire. Voilà. Christine, on prend un peu des cours, un peu trop jazz pour l'instant, alors qu'elle a qu'une envie, c'est de jouer du rock'n'roll. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça a été pour elle une révélation très rapide. Je crois qu'elle est passée de, on va dire, les deux premiers jours, elle était un petit peu larguée quand même, et voire un peu en panique avec je suis totalement larguée. Et je vous assure que le troisième, quatrième jour, elle commençait à se dire « Oh, ça y est, j'y arrive, je suis dedans !» Et elle m'a fait des enregistrements vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc voilà, alors je pense qu'elle a des vraies aptitudes rythmiques qui lui ont permis quand même de toujours bien se repérer dans les grooves et qui lui ont permis aussi de simplifier certaines parties qui étaient un petit peu techniquement, voilà, peut-être un peu difficiles pour elle. Mais donc c'est pas grave, elle a enlevé quelques détails, mais elle arrivait à retomber en place et quand même à assurer les parties. Alors j'ai pas dit, dans ce stage blues rock, ils ont choisi deux titres ultra chambés. Alors il y avait un titre de Led Zepp que, très honnêtement, je ne connaissais pas, The Ocean. Ok Eric, on dit pas The Ocean, pas de thé à The Ocean. Voilà. Donc The Ocean, un morceau, enfin en tout cas on a fait les deux riffs, on n'a pas fait vraiment le morceau en entier, mais on a alterné donc ces deux riffs avec beaucoup d'intérêt rythmique. Donc là on a une mesure de 4-4 dans le A qui s'alterne avec une mesure de 7-8. Voilà, alors, je
sais que de loin comme ça, ça peut faire peur. Non. Mais donc c'était vachement bien pour un truc finalement un petit peu rythmiquement casse-gueule. Franchement, tout le monde y arrivait très bien, et donc même Anne-Christine. Voilà. Le deuxième titre choisi a été, vous savez, une reprise de ZZ Top par Joe Bonamassa qui s'appelle Just Got Paid. Voilà, alors pour ce morceau version Joe Bonamassa, en fait, on n'a pas de version d'album de référence. Donc on s'est appuyé sur la version live qui vraiment défraye YouTube, vraiment, enfin, surtout la première des deux versions. Je crois que c'est 2012, un live où il a une Les Paul et où il joue ce morceau pendant 12 minutes. Voilà. Alors nous, on n'a pas fait le morceau en entier, bien sûr. On a joué donc le début de Just Got Paid. On va dire les deux premiers riffs principaux, jusqu'au un riff décliné quand même de trois façons, le B, là, qui se joue en trois tonalités. Et quand même une intro, pareil, déclinée de deux, on va dire, sous deux modes. Voilà, première partie d'intro mi-dorien, deuxième partie d'intro mi-éolien. Voilà, un solo un peu plus mélodique, avec une première partie plus blues et une autre plus mélodique. Voilà. Donc là-dessus, bon ben. Christian et Emmanuel ont excellé, et là je vais parler de Emmanuel. Voilà, alors, Manu, enchanté, vraiment c'était ma deuxième découverte de ce stage, donc mon deuxième élément nouveau. Voilà. Je t'avais même pas fait des. Je sais que t'es ma guitariste, Emmanuel, mais à l'époque, ouais, je te connaissais pas non plus dans les feedbacks. Voilà, donc je t'ai jamais fait de retour sur ton travail. J'avais déjà vu ta tête à certaines occasions où il y avait des vidéos, des photos ma guitare. Voilà, donc notamment, je crois, des participations à la boule noire. Voilà, donc je t'ai dit, tiens, lui, attention. Il a déjà du background, il joue déjà un petit peu sur scène. Voilà, donc j'ai pas été déçu du tout. Effectivement, Manu, super élément. Tu nous as fait des solos, tu déchires en solo, Manu. Vraiment, vraiment. Alors, je vais te dire un truc, Manu. Je vais te dire un truc devant tout le monde. Non, c'est tout à fait normal. Tu déchires pour l'instant encore plus quand ça filme pas ou quand ça enregistre pas. Voilà, je te le dis. Alors, tu m'as quand même fait un bon solo sur ton enregistrement du dernier jour, hein, ça c'est pas, y a pas photo. Mais je crois que j'ai entendu des trucs spontanés quand ça n'enregistrait pas, qui étaient encore plus vraiment qui déchiraient vraiment quoi. Donc vraiment, lâche-toi. Et oui, enfin, de toute façon, t'as déjà un super niveau. Voilà. Je te remercie aussi pour ton attitude super sympa. Je veux dire, parce que c'est pareil dans un stage, quand on a des petites disparités de niveau, bon ben voilà, toi tu l'as absolument jamais fait sentir. Voilà, tu as toujours dit que le stage, de toute façon, on pouvait profiter à différents niveaux, et quoi qu'il arrivait, on pouvait progresser voilà, lors de ces stages. Donc je suis très content de ce très bon état d'esprit. Quoi. Voilà. Voilà, donc vraiment, le stage, bon, évidemment, vous l'avez compris, sert à se rencontrer et à jouer ensemble, déjà c'est génial, à échanger aussi ses galères un peu, hein. Ouais, moi je progresse plus, ah bon, tiens, moi non plus, tiens, tu devrais faire ça, bon, voilà, tous ces trucs-là. Mais aussi donc cette dimension d'échange, de fans, quoi, dire, de partage tout simplement artistique, de putain, moi j'adore ce truc là, ah ouais, moi aussi, et ça tu connais. Je dis, voilà, c'est pour ça qu'il y a des groupes WhatsApp qui se forment avec des gens qui se lâchent plus, et aussi beaucoup de personnes qui reviennent en stage. Voilà, ça, moi, ça, si vous voulez me faire des cadeaux, c'est de vous revoir en stage, quoi. Je me régale à chaque fois. Donc pour finir avec ce deuxième stage, donc blues rock, vraiment Manu. Enchanté, super rencontre. Anne-Christine aussi, hein, je crois que Anne-Christine était déterminée à revenir aussi dès que possible. Voilà, ça me fait ultra plaisir. Et puis d'ailleurs, maintenant que vous connaissez la formule, d'ailleurs, nouvelle idée, je vais de plus en plus proposer des stages carrément maintenant sur le. C'est même plus une thématique de style, en annonçant carrément un groupe. Voilà, ça c'est Eric qui arrête pas de me dire ça, qui me dit « Ah non, mais selon les trucs, selon les groupes, regarde, stage ACDC, t'es carrément sûr de remplir. » C'est vrai que c'est ce qui s'est passé en troisième stage, je vais en parler juste après. Et là, il me disait « Regarde, stage Led Zepp, ça peut parler et tu peux remplir. » Donc voilà, ça ce sera fait aussi, quoi. Je vais donc proposer des stages Led Zepp, ACDC, pourquoi pas ACDC Airborne, pour ceux qui connaissent, ça peut être rigolo de lier un petit peu les deux générations. Ouais. Ou Led Zepp Greta Van Fleet, ça peut être rigolo aussi. Bon, enfin bref, il y a des trucs comme ça à faire. Voilà, ça pourrait être un stage métal, mais vous savez, avec un groupe incontournable, pourquoi pas un stage Iron Maiden. Alors,
On a terminé par un stage de 3 jours qui était un stage ACDC, donc ok, ACDC, où le morceau était carrément décidé à l'avance. Donc là c'était le titre Girls Got Reason que j'ai sorti il y a environ 3 semaines, un mois, en tuto. Voilà, donc stage de 3 jours, tenez-vous bien, pour lequel Eric et Christian sont revenus. C'était en fait, bon, c'était quand même prévu, mais je veux dire, ils ont enchaîné tous les deux 2 stages. Ils ont fait le stage blues rock de 5 jours, suivi du stage ACDC de 3 jours. Voilà, vraiment, d'ailleurs, mort de rire dès le premier jour, tellement, enfin, je sais pas, il y avait une dynamique et une excitation déjà là, dès le premier jour, donc c'était rigolo. Voilà, pour ce stage ACDC, donc on a reçu 2 nouvelles personnes. Il y avait Jean-Michel, que je connaissais depuis assez longtemps maintenant. Jean-Michel, ça fait au moins 4-5 ans que je connaissais au tout début comme guitariste, quand il a fait son premier stage avec moi. Et petit à petit, il s'est révélé pour la basse. Donc on a eu Jean-Michel Bardet à la basse. Et je vous dis que, alors là, je vous dis que ça, mais pour ce titre d'ACDC, c'était génial de faire vraiment les répètes, on va dire, dans la tradition AC/DC, c'est-à-dire vraiment en séparant les deux guitares avec le poste Malcolm Young, Angus Young et donc Jean-Michel qui nous fait Cliff Williams. Alors là, vraiment, on a pleuré, non, mais on était vraiment dans le titre comme il faut, quoi. C'est-à-dire avec cette basse qui joue le riff aussi, vous savez, ré, to, do, to, to, do, to, 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 et qui passe dans les couplets sur une note constante, hein, la basse qui continue en la constant. C'est d'une efficacité. Bon, bref, voilà. Donc, je vous dis, il y avait Jean-Michel à la basse et on a reçu aussi un nouveau que je ne connaissais pas du tout en guitare. Il s'appelle Thibaut. Voilà. Donc, élément très sympa aussi. Voilà. Qui a posé ses guitares aussi, comme tout le monde, le dernier jour. Voilà. Le jour des enregistrements. Voilà. Alors, je vais arrêter avec cette séquence outdoor pour passer donc aux interviews. Hein. C'est le moment de vous donner la parole à vous. Je pense que c'est vous qui en parlez le mieux des stages. Voilà, alors je vous remercie tous individuellement, c'est-à-dire là j'ai eu un équivalent de 14 personnes sur ces 3 stages. En réalité, comme il y en a 2 qui sont restés 2 stages, bon voilà, j'ai eu 12 personnes, mais vraiment dans une ambiance extraordinaire comme à chaque fois. Merci à tous, vraiment je ne sais pas si je peux me permettre de vous dire bisous, mais le cœur y est totalement, quoi. Bisous, voilà, bisous à tous, à très très bientôt.